Patrick Dumais faisant relâche, voici notre reportage spécial sur le Gala Inc. Qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Ce soir, c'est le gala reconnaissance des entreprises de la MRC de Bécancour et de la MRC de Nicolet-Yamaska. Alors, c'est quoi le but de la soirée? Le but de la soirée, c'est de reconnaître tout le travail qui a été fait au cours des deux dernières années, parce que notre banquet est présenté aux deux ans. Alors, on présente vraiment des catégories, des finalistes qui ont fait un excellent travail durant les deux dernières années et on leur remet un prix à la fin de la soirée. Il va y avoir des lauréats, des gagnants. Alors, c'est une belle soirée où on reconnaît vraiment le travail des gens dans nos entreprises de chez nous. L'entreprise coup de cœur est... Pinard et Frères. Et comme on peut voir, ça répond très bien. Oui, on est tout près de 300 personnes qui assistent ce soir au Banquet des seigneurs, qui est nommé maintenant le Gala Inc. Pourquoi Gala? Parce qu'on voulait être un petit peu plus relevé, parce que Banquet des seigneurs, ça faisait quelques années qu'on l'avait. Alors, on a dit, bien, le Gala Inc., c'est vraiment entreprise, c'est vraiment quelque chose qui nous représente dans le milieu. Alors, c'est une belle fête pour reconnaître le travail. Et comment s'est né cet événement-là? Le Banquet des seigneurs est arrivé en 1999. Ça faisait deux ans sur notre territoire qu'il n'y avait plus de gala reconnaissance. Et les organismes socio-économiques, on s'est réunis. On s'est dit, bien, c'est important de reconnaître ce que nos entrepreneurs font. Alors, on a remis sur le rail, comme on pourrait dire, le Banquet des seigneurs à ce moment-là. Et ça fait on est à notre huitième édition. Ça fait 16 ans maintenant que le gala existe. Tout le monde est gagnant ce soir parce qu'on avait un jury qui avait mis une note de passage assez haute, c'est 80 % pour accéder à la catégorie finaliste. Alors, je pense qu'on a la crème de la crème ce soir. Alors, moi, ce que je leur souhaite, c'est de poursuivre leur rêve puis de continuer ce qu'ils ont fait de mieux depuis le démarrage de leur entreprise. Merci, on vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Il y a sans doute pas une recette, mais il y a de belles histoires pour faire de bonnes affaires et si ça peut vous inspirer, je m'en réjouis.